Oh, t'as vu ça, mec? Roue arrière, 180, guidon, reposage, glissade. Les amis, je crois que je suis tombé addict. Ça faisait longtemps, les amis, que j'ai pas retrouvé un jeu comme ça. Mais on est parti pour la partie de The Riders Republic. Oh my god, c'est chaud. Il est chaud, mon Tico, aujourd'hui, les amis. On a un saut de l'extrême là-bas à faire, les amis. J'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui. J'ai vu vos retours parce que, bon, peut-être que moi, je suis addict, mais vous, les amis, vous l'êtes encore plus, hein. 600 000 vues en moins d'une semaine. Oh putain, Tico, il est dans la merde, il va mourir. Vous avez lâché plus de 50 000 likes sur la partie 1, frérot. Et moi, je viens de mourir. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer comment je me suis amélioré au jeu. Parce qu'en devenant addict, bien entendu, ben, je joue beaucoup plus. J'ai débloqué des vélos de l'extrême. Et aussi, un nouveau véhicule. Dans cette vidéo, déjà, course tenue de girafe. Vous l'avez promis, vous avez lâché 50 000 likes. On va être en tenue de girafe dans cette vidéo. Vous vous souvenez ou pas? Deux yeux, je vais vous montrer une course où j'ai débloqué un vélo épique. Pour ceux qui s'en souviennent, au début, j'étais à des vélos niveau 200, 180. Là, j'ai des niveaux qui ont dépassé le niveau 700. Avec ça, on va faire des figures de l'extrême. Et on va terminer la vidéo en faisant une max race. Qu'est-ce que c'est une max race? C'est une course où on est plus de 64 participants dans la même descente. C'est un bordel. Mais avant tout ça, une marque m'a contacté pour que je puisse jouer sur le meilleur écran du monde. Allez, on prend le nouveau véhicule parce qu'il faut que je montre comment il est trop beau ce jeu. Je pense vraiment c'est pour ça, les amis, je suis addict. C'est que ça change. Et c'est trop joli de pouvoir parcourir le monde comme ça. Car si je veux, là, les amis, là, j'ai la fusée d'Elon Musk. Mais à n'importe quel moment, je fais ça, bam, moto des neiges. Ouh, j'ai pas envie de moto des neiges, on va plutôt prendre le ski. Et waouh! Et là, un petit saut. Allez, c'est parti, les amis, on lance le placement de produit. Dani, j'ai un colis. Ah, what? T'inquiète, c'est un PC ultra léger. Merci à MSI de me l'avoir envoyé. T'es prêt à avoir le châssis? What? Ça va, hein? Très facile à transporter avec un châssis ultra réduit. Oh. Gab. PC Trident X, PC normal. Et est-ce que t'as vu la carte graphique, ma gueule? Elle est juste là. Regarde, tu la vois? 3080 RTX. 40% plus puissante que tous les autres cartes graphiques. Et à l'intérieur, t'as un i7 12e génération. 50% plus puissant que le précédent. Ici, là, c'est la connectique de fou bâtard. Tu mets tous les écrans que tu veux, frère. Bien sûr, ce PC, j'utilise pour appeler ma daronne avec le nouveau Wi-Fi 6E. Allô, maman? Oui, ça va, maman? Ce PC a un contrôle center pour le paramétrer comme tu veux à 100%, frère. Que ce soit les LED, la ventilation, l'utilisation de ta carte graphique. Si tu veux plutôt jouer en mode performance ou plutôt en mode chill. Chill Netflix, toi-même tu sais ma mère. Et c'est pas fini! L'écran pour jouer à Raiden. Cet écran MSI est incurvé en 1000 Hz. C'est un 31,5 pouces 2K qui utilise la technologie HDR. On le déballe ou pas? Je galère pas du tout. 3, 2, 1. 165 Hz. Cet écran dispose des technologies AI telles que le Night Vision, Smart Crosshair et Smart Brightness. Ça sert à optimiser le gameplay. Grâce à ça, tu pourras voir mieux tes ennemis et tu auras plus de facilité à faire des kills. Sans oublier le temps de réponse qui est de 1 ms. Aucune latence à l'écran. Il y a aussi le True Color Sync qui te permet de synchroniser toutes tes gammes de couleurs. Imaginons, tu as plusieurs écrans. Un grand merci à MSI de m'avoir envoyé ce PC et cet écran. On va partir pour la vidéo, mais avant, si toi t'es intéressé, t'as un lien en description et en commentaire épinglé si tu veux avoir plus d'informations et pourquoi pas acheter le matos à Messi. Bon, maintenant vous savez sur quel écran je suis en train de jouer. On va commencer la première course. Alors déjà, regardez la map, j'ai quasiment tout débloqué. Quand je vous dis que je suis addict, c'est que je suis addict. Je vais vous montrer la meilleure course de Trix qui m'a permis d'augmenter au niveau extrême. Ce que j'ai trop kiffé, c'est suite à la dernière vidéo, il y a plein d'abonnés qui sont mis au jeu. Et des fois, ça m'arrive même de tomber avec des joueurs qui me connaissent. Et on se fait des petites games où ils me présentent leur vélo, etc. Et en parlant des vélos, voici à quel vélo j'étais la semaine dernière. 216, pas ouf. J'ai tellement débloqué de courses et réussi des levels que maintenant, sprint 33, vitesse 49, rotation d'air 52, 12 rampage, niveau 718. Hop, on choisit ce vélo. Maintenant, les amis, je joue plus en difficulté standard. Je suis en expert. Là, ce que vous allez voir, vous êtes pas prêts. Let's go, Tico! T'as compris un truc? Je crois pas, frérot. C'est loin d'être fini. Allez, Batflip, Frontflip, Supermat, droite, double, cash roll. Et... ah, ça passe, let's go! J'ai appris ça en plusieurs heures de training. Allez, un petit avant aussi. Allez, tu le fais, tu le fais. Oh, putain, j'ai failli tomber. Maintenant, tu fais Frontflip sur le côté, Backflip. Hop là. Voilà, frérot. Bon, je suis cinquième, en expert, mais... ça, c'était une course où j'étais tout seul. Maintenant, on va passer une course où je suis face à 12 joueurs. Avant qu'on parte pour la course girafe, il faut que je vous montre ce parcours. Oui, on va commencer le truc là-haut. On va devoir tout descendre et faire un énorme saut à la fin. Vous êtes chaud? J'espère que t'es chaud, ma gueule. Oh, vous avez entendu le bruit? On a entendu le bruit dans Star Wars, le même. Un mec qui crie, qui se pète la gueule et qui fait le bruit. Je me rends compte que être addict à un jeu, ça m'est arrivé sur très peu de jeux. Ça m'est arrivé sur Fortnite au début, quand c'est sorti, tu vois. Ou à chaque nouvelle saison, je suis addict comme un ouf. Mais là, c'est vrai que Riders Republic, ça me fait le même effet. Nice! Allez, faut pas qu'on dead.
Il faut qu'on fasse un maximum de points pour les figures. La médaille d'or, c'est 110 000 points. Je suis à 42 000. Oh, oh, je crois que je suis passé au mauvais endroit. Ce qui est bien, c'est que tu peux revenir en arrière. Comme ça, si tu peux louper de chemin ou quoi. Le but, c'est bien sûr passer. Oh, oh putain. Oh putain. Ok, ok, tu le fais. Tu le fais. En avant. En avant. Ça passe. Bien joué. On va faire un petit 3-6. Parce que là, c'est compliqué de faire un plus gros saut. Un petit backflip. Ok, on en a fait deux. Et je suis sorti. Hop là, on reprend. Bien joué. Est-ce que je suis devant? Non, je suis toujours pas devant. Punaise, il faut encore que je fasse plus de points. Ok, ça passe. 5500 points. Ok, je savais pas que je pouvais faire ça, frérot. Ah, ça passe 10 000 points. Ah, 103 000, non! Je suis troisième! Ok, il y a une run 2. Ok, il faut que je fasse plus. Ok, allez, je fais plus. Bien joué. On va accélérer. On va faire sur le côté droit. Au plus je tiens le figure, au plus je gagne de points. Et j'aime beaucoup faire les courses de points. Mais après, à la fin, les amis, peut-être que la mass race là, elle peut arriver à n'importe quand. 64 joueurs. Là, il va falloir pas faire de figure. Il va falloir être le premier de la course. Allez, t'accélères. Allez, un maximum de points, s'il te plaît. Oh, 24 000. C'est très très propre ça. C'est incroyablement propre. 189 000, je crois que je suis premier. Bien joué, 11 000 points. Je suis à 208 000. Let's go! Et voilà, au plus tu fais de course comme ça. Là, je suis premier. Je gagne un maximum de points. Bonus de rang, 650 XP. Je suis niveau 37. 37! Là, les gars, j'ai un vélo spécial de saut freestyle. Regardez. Je vais faire juste un petit truc, ça va tourner de ouf. Vous avez vu? Regardez! Mais c'est quoi ce bordel? C'est nimp ce vélo, frère, je te jure. Oh. 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 Et... C'est parti! Course girafe. Alors là, frère, c'est avec deux joueurs. Le but, faire des meilleurs sauts que gagner un maximum de points. La petite stratégie, c'est de faire des tricks différents entre les sauts. Pas faire toujours le même tricks. Là, vous êtes en mode, mais vas-y, je comprends pas les tricks que t'es en train de faire. T'inquiète, moi non plus, frérot. C'est juste, j'appuie sur tous les boutons en même temps. Là, il faut que je prenne le bonus absolument. Ok, pas mal. Nice. Oula, oula, backflip. Double backflip, let's go. Oh, il y a une max race dans 4 minutes, les gars. C'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Vite, il faut que je termine. Ok, alors les max race, les amis, c'est une fois toutes les 2 heures, il y en a dans le, sur le jeu. Il faut vite après qu'on y aille parce que sinon, après, il n'y a plus avoir de place. Les max race, c'est tous les gens ils veulent faire ça. C'est l'énorme course insane. Mais avant, on termine la girafe. Wouah, qu'est-ce que je fais avec mes jambes, je sais pas. Parfait saut. En plus, je suis trop trop bien avancé. Je suis premier en ce moment. Le deuxième, il est à moins 62 000 points par rapport à moi. Et on termine la ligne d'arrivée girafe. C'est trop simple les gars, j'ai trop très hard le jeu. J'ai trop fucking très hard le jeu. Alright les gars, la match race elle est prête. Psycho, écoute-moi frérot, tu vas win. Alors comment ça se présente? Il y a plein de joueurs, 64 joueurs, on reconnaît leur niveau avec leur nombre d'étoiles au-dessus. Par exemple ce joueur là il a 5000 étoiles frère. Lui là mec, c'est un professionnel tu vois. Moi pour vous dire j'ai à peu près 400 étoiles de jeu, ce qui est plutôt pas mal. On va s'échauffer vite teuf avant. Les genouillères. Voilà la première manche. Oh merde, la première manche, la première manche. Ok, alors là, les amis, la première manche, qu'est-ce qui se passe? Attroupement à Sequoia. On va faire du vélo, ensuite de l'air course, et on va passer en vélo. Je vous montre les joueurs qui est autour de moi. Je suis à la première ligne. Allez, Tico. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Les gars, pourquoi je vois en premier plan comme ça? Ah, j'ai jamais joué comme ça, qu'est-ce que c'est ce bordel? J'appuie sur un bouton, j'ai pas fait exprès. Oh putain de. Oh, je suis trop dans la merde. Alors, il faut savoir, j'ai déjà fait quelques petits mass races. On se touche tous la gueule. Ah, c'est bon, attends. J'ai trouvé le bouton. Quand t'es dans le peloton, frérot, c'est un gros bordel parce que, mec, tu fais que te taper. Et des fois, ben, on te fait des sorties de piste et tu meurs. Oh, allez, allez. Tu le fais, tu le fais. Accélère, 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 accélère. Ok, tout va bien. Notre but, bien entendu, c'est pas de crever. Le but, c'est d'arriver à la fin en vie. Vous allez voir la récompense qu'on débloque. C'est incroyable, ça mass race. J'ai encore pas mal de sprint là, il faut que j'utilise. Sprint de ouf. Ok, on a le premier changement de véhicule. Vous êtes prêts? Là, les amis, c'est ultra dangereux ce qu'on fait parce que là, il faut du niveau. Et c'est le sport que j'aime le moins. Ah, parce que c'est hyper dur, j'ai pas l'habitude de jouer avec une manette. Oh putain, à travers le pont. Oh, j'ai survécu au pont. Allez, on accélère. On passe au vélo maintenant. C'est le dernier changement, comme il a dit. Allez, on accélère de ouf, on met le sprint là. Il y a un beau saut à faire. Oh, j'ai failli d'être, tout va bien, bien joué. Allez, frérot. Allez, Tico, tu le fais. I want to be the first man. Ah, il m'a poussé. Accélère vite. Je crois que j'ai fait mon meilleur placement. Là, on a fait une manche sur 3. 17ème, let's go. Ça m'a fait gagner 48 points et 3 étoiles. Donc là, moi, je suis à 494 étoiles. Mon but, arriver aux 500. J'ai quand même derrière moi un gars qui a 5400. Il lâche plus fort. Monnaie devant. Et le premier, vous en doutez, il a 30 000 étoiles. What the heck. Là, maintenant, vous comprenez pourquoi je suis addict. En plus, avec l'écran qu'il y a devant moi, frère, c'est fou. Mammouth Snow. Alors là, les amis, j'ai un vélo, il s'appelle le vélo Mammouth. Oh, ça commence.
C'est parti mon gars. Accélère. Je vois rien. Ah, il y a des arbres. Oh. T'es très bien mec, t'es très bien. Oh l'arbre là, fais gaffe. Je me suis pété la gueule. Ah, on m'a explosé la gueule là. Oh, je suis encore mort. Ah bah là frérot, là mec, 57ème, je suis dans les derniers. Ça va pas du tout. On va remonter, t'en fais pas frérot. Alors, on passe au ski maintenant. Ski de piste. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, il faut que je... Ah frérot, c'est obligé hein. Oh non, il m'a poussé. Le virage de ouf que je dois faire. Allez frérot. Accélère. Oh merde, je me suis retourné. C'est pas ça qu'il faut faire. Ok, on reprend le vélo spécial pour la fin de la course. Allez, il faut que je termine. 3, 2, 1... J'ai pas eu le temps de terminer. Vous avez vu là, c'est ça qu'il faut pas qu'il m'arrive. Bon ça va, on est toujours qu'à les 26e, c'est plutôt bien. Troisième manche frérot, il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Adolf, accélère. Wouah le monde. Pas qu'on se loupe. Temps de virage. Bien joué, virage. Bien joué. Arrêtez de me pousser. Oh le virage de dingue. Oh my god. Le vélo sur la neige c'est une horreur. Allez, on passe au ski je crois il me semble. Let's go, je passe au ski. Un petit saut ou pas? Bien sûr un petit saut frérot. Oh my god, il faut survivre, Let's go. Pff, on va tellement vite les mecs. Ah ok, tout va bien. S'il vous plaît, mettez pas de cailloux en plein milieu. Des hop, les... On va tellement vite, on rattrape tout le monde. On a déjà un vainqueur, comment ça on a déjà un vainqueur? Oh, c'est quoi ce truc? On va tellement lentement tous. On a pris un petit boost au sol, il y a des boosts et tout à prendre. Trop bien ça. Les boosts c'est le truc le plus important à prendre il me semble. C'est la ligne d'arrivée là-bas. Allez. Bien joué, let's go. On fait combien? 28ème. On a gagné 6 étoiles bonus. Mais c'est encore le même qu'a fait premier, frérot. Oh là là, masse reste terminée, ça m'a donné 6800 XP, c'est incroyable. Et j'ai débloqué un nouveau cadeau. Au plus t'évolues de niveau, au plus t'as du matos performant qui améliore ta mobilité, etc, etc. Ah, est-ce que je me suis amélioré pour la dernière vidéo? Non. Bien écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé maintenant. Vous comprenez pourquoi je suis devenu accro. Hein, le jeu est magnifique. Il y a de la compétition avec plus de 64 joueurs en une même partie. Et j'aime bien cet aspect d'évoluer ton matos. Prochain objectif, faut que je débloque un vélo légendaire. Je compte sur toi pour tout exploser. Si tu veux une troisième partie, abonne-toi. Le pouce bleu, tu connais les bails. Geeky comme des ouf, c'est très important. Et tu peux juste cliquer ici. Tu vois, la dernière vidéo, c'est une masterclass. Attends, je vais te faire un dernier saut. J'ai envie de jouer là. Dernier saut. Yeah! Allez, arrivederci. Pas fig 2080.